Nous allons voir aujourd'hui les deux manières de sécher nos tirages sur papier baryté. Un des papiers de référence est l'Ilford Multigrade FB. On peut aussi utiliser les papiers FOMA, le FOMA Brom 111 par exemple, excellent. Et aujourd'hui pour notre démonstration, le FOMATON à ton chaud. Attention, les émulsions FOMA sont assez fragiles, surtout si on les laisse longtemps dans l'eau de rinçage. Le rendu en est néanmoins excellent. Deux méthodes pour traiter le papier baryté. La première méthode est de prendre la photographie, la mettre sur une plaque de verre, scotcher tout autour avec une sorte de papier collant que l'on passera sur une éponge légèrement humide, mais pas trop. On laissera sécher la photo une nuit, c'est l'idéal, mais maintenant c'est long. On est toujours pressé de voir son chef-d'œuvre sortir vite, mais là ça risque de durer une nuit. On peut faire ça. Ce séchage sur un radiateur, maintenant il y a des gros risques de décollage prématuré, il faut tout recommencer. Ou l'été, il m'est arrivé de mettre des photos en plein air, en plein soleil. Pareil, ça peut se décoller un peu prématurément. Donc les photos qui ne seront pas glacées auront un aspect qui sera un petit peu mat. Le gros avantage, c'est que la photo sera généralement très plane à la sortie et on pourra rapidement l'encadrer de cette façon. Et on réalisera les retouches, c'est-à-dire le repiquage, après avoir séché ces photos. La deuxième méthode qui consiste, elle, à glacer la photo dans une glaceuse, va donner un résultat assez étonnant. C'est peut-être un des gros avantages de la photo noir et blanc à l'ancienne argentique, c'est le glaçage, qui sera inimitable par tous les papiers qu'on peut acheter dans le commerce en numérique. L'inconvénient, c'est qu'on risque d'avoir des bulles. Et un autre inconvénient aussi, c'est que l'émulsion est très fragile une fois glacée. Il ne faut pas mettre une goutte d'eau ou un postillon. Et la retouche est très difficile à faire. Il est donc conseillé, d'après moi, de retoucher la photo quand elle sort de l'eau. Une retouche de suite et de glacer après les retouches. Voilà, j'ai ma cuve avec de l'eau dans laquelle j'ai rajouté un agent mouillant. Ici, c'est l'Ilfotol de chez Ilford. Il y en a d'autres, c'est pas un problème. Là, je prends ma plaque qui provient donc de la machine qui va chauffer pour glacer les photos de ma glaceuse. Je la mets dans ma cuvette en essayant de faire le moins de bulles possible parce que l'ennemi du glaçage, ce sont les bulles. Je tapote un peu même pour faire, je vide pour faire remonter les bulles. Je prends ma photo et je vais la glisser délicatement sur la plaque. Le but étant d'éviter les bulles. Voilà, maintenant je vais sortir tout ça, cet ensemble, en tenant ma photo sur la plaque qui a tendance à glisser. Voilà, ça tient bien. Et j'égoutte. Ensuite, donc j'essore à l'aide de ce petit rouleau en caoutchouc ma photo en aplatissant au maximum et avec une éponge, j'enlève les surplus d'eau. Manœuvre importante. Là, j'essore vraiment. J'enlève tous les surplus. Voilà. Ça y est, là, ça a l'air à peu près correct. Je finis par vraiment éponger au maximum, ça va chauffer et s'évaporer. Moins il y a d'eau, plus ça ira vite. J'ai branché ma glaceuse pour qu'elle préchauffe. Et là, je vais mettre ma plaque avec la photo dans la glaceuse. Je ferme ici, ça doit être bien tendu. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Patience. Il ne faut surtout pas se presser, sinon si on essaie de décoller la photo avant, elle reste collée sur la plaque, c'est catastrophique. Il faut attendre, à mon avis, une vingtaine de minutes largement avant d'ouvrir et la photo doit sortir toute seule. Il y a la possibilité de glacer deux photos en même temps. Vous voyez, une manette ici, voilà. Là, j'ouvre. Et j'ai un deuxième plateau sur lequel je vais pouvoir mettre une deuxième photo pour la glacer en même temps. On a attendu 20 minutes de patience. Ça m'a l'air bien chaud, ça on va pouvoir sortir la photo. Ben voilà, c'est parfait. Elle a séché, elle s'est décollée toute seule. Et là,
Voilà le résultat. Une photo sur papier baryté chaud, c'est du Fomaton. Un résultat qu'on n'aura jamais en numérique. L'idéal, après avoir traité un papier à la glaceuse, est de le contrecoller sur une plaque de carton collant. Et là, on ne regrettera pas le temps passé pour en arriver à ce résultat.